On est chez nous. C'est un moment particulier pour ces élèves de 4e. Ils rentrent pour la première fois dans leur nouveau collège baptisé Simone Veil. L'an dernier, ils étudiaient encore au collège du Parc aux Charrettes, jugé trop vieux, trop usé et pas adapté aux nouvelles méthodes d'apprentissage. Les élèves prennent leur marque. Bonjour. Il est différent par rapport au précédent, il est confortable, on sent à l'aise. Je préfère ce collège parce qu'il est neuf, mais je trouve que la cour elle est un peu plus petite que l'ancien collège. Il reste encore un petit peu de travaux, mais les tableaux sont mis, l'électricité aussi, les tables, tous les profs sont là. Un peu de travaux et toujours des ouvriers dans les couloirs et la cour. Le collège Simone Veil n'est pas encore complètement terminé et conserve par endroits des airs de chantier. Pas de quoi pour autant freiner l'enthousiasme des professeurs. Les anciens locaux, j'ai une certaine émotion, parce que j'ai quand même enseigné quelques années là-bas, mais c'est vrai qu'ici, ça donne envie de faire plein de choses. Enfin, j'ai déjà plein d'idées, des projets, la classe, comment on va l'aménager, comment est-ce qu'on va pouvoir mettre nos échantillons, nos ressources en valeur. Et puis, non, ça va être quand même... C'est motivant d'enseigner dans un bel établissement comme ça. Pour sa première année, le collège accueillera 450 élèves. 200 places de plus sont prévues pour pallier l'évolution démographique de la ville. Une fois terminé, voici à quoi ressemblera ce nouvel établissement pour lequel le département a investi 12 millions d'euros. À l'image du personnel, la principale du collège se réjouit de travailler dans un lieu plus moderne et plus spacieux, capable d'accueillir une population grandissante. Nous avons connu, nous, une hausse d'effectifs assez régulière. Hein, vous n'êtes pas sans savoir également que la ville de Pontoise connaît un essor démographique. Ça a donc des répercussions sur les collèges de la ville. Et puis, nous avions également un bâtiment qui montrait des signes de fatigue, de vétusté. Donc, il était vraiment nécessaire que nous ayons un nouvel établissement. En attendant la fin des travaux, les élèves devront se restaurer dans leur ancien établissement. Le conseil départemental a mis à disposition des bus pour assurer les déplacements.